Madame Minelli. Pas Minelli, mais Madame. Pas Madame Tremblay, c'est qui, Madame. Oui, Madame. Garlo. Madame Garlo. Non, non, c'est pas Garlo, c'est Garland. Garland, non, hey, Madame Garland! Regarde, regarde, quand vous faites. Ben là, vous le faites plus, là. Parce que c'est terminé, tout ça. Mais quand vous faisiez votre marché. Vos courses, parce qu'on dit pas marché, vos courses, Madame Garlo, Madame Garlay. Madame Garland, Garland. Est-ce qu'on vous reconnaît? On vous reconnaissait-tu? Non, mais la petite caissière là, qui était là, qui avait à peu près 20 ans de moins que vous, 25, qui se faisait voir par les beaux mecs, puis vous étiez plus très très, vous là, à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes plus, parce que en étant morte, c'est la notoriété. Ça, c'est toujours extraordinaire, la notoriété, mais on s'en rend pas compte. Puisqu'on est mort, c'est quand on est mort qu'on a ce moment de gloire-là. Mais vous, Mme Garlo, Mme Garland, non, ça tombe bien, c'est le temps des fêtes, puis Mme Garlo, pendant le temps des fêtes, c'est une idée extraordinaire. On applaudit Mme Garlo, Garland. Mais sinon, ça vous dérangeait-tu de vous faire reconnaître comme ça en faisant vos courses? Parce que vous couriez à l'époque. Oh, je couriais. Ah, ça c'est Mme Garlo. Non, je suis incapable d'imiter une Anglaise. Ah, oh, non, mais c'est pas une Anglaise, c'est une États-Unienne. Ouais, OK. Parce que les Anglaises, c'est... Ben, c'est d'Angleterre. Ah... Quelle culture? Ouais, excuse-moi, la culture me pique.